Moi, je suis un pavé. Octobre 83. On marche vers nos propres rêves, habités par ceux de nos parents, nos pas, nos rêveurs. C'est notre histoire à nous qui se perdra peut-être dans les méandres du temps. Nous sommes jeunes et vieux, pauvres et riches, envieux de rien, nous ne regretterons rien, nous. Marcherons de Marseille à Salon de Provence, de Salon de Provence à Lyon, de Lyon à Paris, nous sommes 32 départs, ensuite 33 puis 1000 et enfin 100 000 au bout de la marche, les kilomètres usent, les souliers, pas l'espoir enfui sous les pavés peut-être et dans nos cœurs sûrement. La vie est une manif, la France une vitre, moi un pavé. La vie est une manif, la France une vitre, moi. Moi, pavé. La vie est une manif, là. La France une vitre. Et moi, moi, pavé. La vie est une manif, là. La France une vitre et moi, un pavé. La vie est une manif, la France une vitre et moi, un pavé. La vie est une manif, là. La France une vitre et moi, moi, un pavé. Octobre 2013. Plusieurs pas plus loin, la marche pour l'égalité et contre le racisme à 30 ans, mais la France sent toujours le souffre, le pays des droits de certains hommes souffre encore de sa diversité et d'amnésie collective. 30 ans déjà, une petite quarantaine de jeunes enfants d'immigrés partant de Marseille entrepris de marcher sur l'Hexagone pour rappeler la société française à l'ordre républicain et la sommer d'être à la hauteur de ses valeurs et des idéaux derrière les mots. 30 ans déjà qu'une petite quarantaine de marcheurs enfants d'immigrés partant de Marseille surgit du ventre de l'histoire et secoua la France en la mettant face à elle-même et à sa différence. 30 ans déjà que ces jeunes gens partant de Marseille dans une relative indifférence lancèrent la marche des beurs pour dire stop, stop aux crimes racistes et xénophobes, stop, stop aux crimes racistes et xénophobes pour dire stop et réclamer l'égalité et la justice. La vie est une manif, la France une vitre et moi un pavé. La vie est une manif, la France une vitre et moi un pavé. La vie est une manif, la France une vitre et moi un pavé. La vie est une manif, là. La France une vitre et moi un pavé. La vie est une manif là. La France une vitre et moi un pavé. La vie est une manif là. La France une vitre et moi un pavé. La vie, oui, la vie est une manif là. La France une vitre et moi un pavé. La vie est une manif. La France une vitre et moi un pavé. La vie est une manif là. La France une vitre et moi un pavé là. Vie est une manif. La France une vitre et moi un pavé. 30 ans déjà, c'est notre histoire à nous et nous sommes fiers, même si tout ça aujourd'hui a un goût amer, car rien ne semble avoir changé depuis 30 ans là. La France sent toujours le souffre et souffre encore de sa diversité, comme si elle n'arrivait pas, ne voulait pas, ne pouvait pas s'expliquer notre présence sur son sol. Comme si elle n'arrivait pas, ne voulait pas, ne pouvait pas s'expliquer les raisons de notre colère et nos revendications, notre ras-le-bol de survivre sous sol en souffrance. Qui nous sommes, une cicatrice sur la figure de ce pays, unique visage, l'élection citoyenne sans président d'une minorité dérangeante bouche à bouche avec l'histoire de France, dont nous venons du ventre de nos mères et d'une souffrance qui dure depuis plus de 30 ans. Où nous allons? Oui, où nous allons? Question posée, où nous allons? Question posée, où nous allons? Question posée, question que je vous pose, où nous allons? On combat ensemble et dans le même sens au-delà de nos divergences, comme nos pères et leurs pères avant eux, pour faire front de l'ignorance et de la haine. C'est beau, oui, c'est beau de rêver encore et toujours de la possibilité d'une île de France fraternelle. C'est beau, c'est beau de rêver, oui, de la possibilité d'une île de France fraternelle. C'est beau, c'est beau de rêver, car les rêves et les idéaux construisent et nourrissent le monde et le ciel de nos idéaux. Marche et rêve, marche, marche, marche et rêve, marche, marche, marche et rêve, marche, marche et rêve, disait mon père, marche, marche, marche et rêve, disait mon père, marche, marche, marche et rêve, disait mon père, marche, marche, marche et rêve, disait mon père, même si tu en crèves, marche et rêve, rêve et bats-toi pour faire vivre chacun de tes rêves, alors
Depuis plus de 30 ans, je marche même quand rien ne marche, je marche encore en direction du carrefour des cultures, je marche et je rêve les yeux ouverts sur le monde, la terre qui m'a vu naître et le sol qui m'a accordé l'asile. Poétique. La vie est une manif, la France une vitre et moi un pavé. La vie est une manif, la France une vitre et moi un pavé. La vie est une manif là, la France une vitre et moi un pavé. Marche et rêve. Passez un tonnerre d'applaudissements pour vous-même qui êtes là ce soir, s'il vous plaît. Et un autre tonnerre d'applaudissements pour Mademoiselle Trouillet, Caroline, qui a enlevé ce test en parachute ce soir. Pour atterrir sur une salle improbable. Et on peut continuer à applaudir aussi Monsieur Kouka Fadi qui, enfin bref, son neveu lui-même, l'artiste, devant vous. Et puis les monté ou pas derniers applaudissements pour les meilleurs d'entre nous ce soir. Notre ami Moïse Perchman de fortune. Merci, merci, merci. Merci à chacun d'entre vous. La soirée est loin d'être terminée. Le vernissage continue. Nous et on aura les le temps de Mélenchon. Oui. Alors Mélenchon, nous, et ça se passe à l'intérieur. Merci beaucoup.